Messi qui fait Grisby, Neymar, le passeur Dani Alves, le buteur, regardez l'action made in Brazil, vous l'avez dit, Neymar quasiment au début, à la finalité, le décalage est absolument remarquable. Et là on parlait de Manuel Neuer, je pense qu'il aurait fait différemment, je pense que Dani Alves n'aurait pas marqué ce but si le gardien allemand avait été là. La sortie de Ulrich est un peu timide, n'est pas vraiment décidée, déterminée. Elle permet à Dani Alves d'avoir le temps de contrôler et de frapper à vitesse réelle. J'avais vraiment la sensation qu'il avait pris trop de temps justement. Il n'en a rien été peut-être parce que... Oui. Oh oui pour la passe, oh oui pour l'appel. Kylian Mbappé pour retrouver Cavani. Il n'en finit plus de marquer Cavani et il est au départ, Bruno. Exactement, regardez l'espace qu'il avait, Kylian Mbappé. Vous avez dit, Zulu, il est grand, mais il ne va pas très vite. Et pour se retourner, il a mis trois quarts d'heure. Ensuite, Kylian Mbappé qui fait le bon contrôle, la bonne prise de balle. Il se retourne comme il faut pour voir Edinson Cavani arriver plein axe. Et avec un intérieur du pied... Il se sert de la force, de sa vitesse pour cadrer ce ballon. Et encore une fois, le petit bémol viendra du gardien munichois avec la main pas suffisamment ferme. Mais l'action collective du Paris Saint-Germain et la finition de Juve. Dani Alves vers Mbappé. Oh la frappe, oh, encore Mbappé pour trouver une solution. Opportuniste Julien, avec au départ Dani Alves encore une fois impliqué à l'avant-dernière passe. Kylian Mbappé, le petit numéro, la fin de frappe, le centre qui n'est pas bien dégagé par Javi Martinez, à la bas qui défend pas très bien, mais Mbappé il a l'habitude de réussir ce genre de dribble en roulette. Et Neymar, tel un renard des surfaces qui vient en opportuniste glisser ce ballon au fond des filets à la suite de ce mauvais dégagement de Javi Martinez. Il n'avait pas encore marqué, il avait été maladroit et malheureux. Il est maintenant récompensé. Neymar Junior et Cavani qui s'enlacent. Paris qui fait définitivement la différence.